salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Dead Rising. Et regardez ma poutre qui est bien longue et bien dure, prêt à tabasser du zombie. Évidemment, comme d'habitude, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire, ça fait toujours extrêmement plaisir. On est parti, direction le toit. Et on doit se rendre à une boutique. Vous allez voir aussi que la particularité de Dead Rising, c'est pas juste un centre commercial rempli de zombies. Vous allez voir qu'il y a d'autres choses qui vont venir agrémenter un petit peu cette petite saveur et douceur. Ok. J'ai déjà déconné là? Pourquoi je suis dans le toit, moi? Pourquoi je suis sur le toit? Yo mon Jeff, ça va ou quoi, hey, Bagaté? Vous avez vu ma femme Nathalie? Non. Elle devrait encore être dans le coin. Bah vas-y, cherche... Cherche Bobby. J'en ai à péter, pour l'instant je peux pas te sauver frérot, je vois pas où elle est. Ok. Est-ce que je devais vraiment passer par là? Il me semblait pas, mais ok. C'est Otis depuis la salle de sécurité. Tu m'entends, Frank? Bon, je te fais un topo sur le centre commercial, que tu saches ce que tu fais. De l'autre côté de l'entrepôt, c'est Paradise Plaza. Il y a pas mal de boutiques là-bas. Resto, magasin de sport, librairie, un peu de tout. C'est plutôt grand ici, donc si jamais t'as besoin d'une vidange, j'ai... Oh non! Otis, je suis désolé! Des zombies, hein? Amenez-vous, je vais vous accueillir. Ah, c'est vous. Eh, hey, faut pas me faire peur comme ça. Brad a été attaqué. Je l'ai vu sur l'écran de surveillance. Ah, vous avez dû vous tordre la cheville. Je dois aider Brad. Il est en danger. Bon, très bien. Donnez-moi votre arme. Allez, c'est ma faute si vous vous êtes blessé. Je vais vous aider. Non, je peux pas impliquer un civil. C'est contraire au règlement. Ouais, mais entre nous, je crois pas qu'ils avaient pensé à ce genre de situation quand ils l'ont écrit, si? Vous savez vous en servir? Plus ou moins. J'ai été correspondant de guerre. Il se la pète un peu, le Franck. Ah, il a bien raison. Bon, et après vous avoir aidé, il faudra qu'on ait une petite discussion, vous et moi. Ok, là ça me plaît. Dossier 1 sur 1 et en cours dossier 1 sur 2. Lorsque vous tenez un objet, appuyez sur L2 pour passer en mode visé. Même en visant, vous pouvez vous déplacer. Ça c'est nouveau. Avant, Dead Rising 1, les amis, on ne pouvait pas tirer et se déplacer en même temps, c'était terrifiant. Appuyez sur carré ou R2 tout en visant pour lancer des objets, vous l'aurez compris. Les panneaux dossiers vous guident vers la résolution du mystère entourant l'incident. À chaque événement clé, un nouveau panneau se dévoile et vous rapproche un peu plus de la vérité. Pour voir où vous en êtes, sélectionnez « Dossier » dans le menu Pause. Lorsque tous les panneaux sont révélés, vous connaîtrez la vérité sur l'incident. Vous l'aurez compris. On va essayer de tout faire. Vous pouvez répéter? Hop, allez, dégage. J'en ai rien à foutre, Otis. J'ai vraiment pas envie de te parler, là. J'adore rire. Ok. Eh ben, écoutez, en vrai, on va tracer. Bonsoir, messieurs. Waouh, waouh, waouh. C'est pas si facile que ça, ce jeu. Oh, merde, alors. Oh, non. J'ai réussi? Oh, j'ai réussi, c'est horrible. Let's go. Ça, c'est une photo originale, hein. Les gars, elle est sous copyright, celle-là. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Attendez, attendez, j'ai un problème. Waouh. Il y a un repère manuel. Ok, je vais l'enlever. Je vais l'enlever parce que mon objectif est ici maintenant, d'accord? Ok. Avant, il y a une boutique d'outillage, c'est pas dégueu. Est-ce que le temps passe quand on est sur la carte? Merde alors, ça j'en ai aucune idée. J'en ai aucune fichue idée. Bon, on va essayer de remplir tous les dossiers, de terminer le jeu dans les règles de l'art, vous l'aurez compris. Hop! Coup de bâton dans ta mère! Ah! 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 Hop, ils sont beaucoup trop forts, j'ai voulu faire le malin. J'ai déjà perdu un carré de vie, ça fait plaisir!
Non, toi par contre, ferme petite gueule. Oh, trop mimes. Parfait. Insolite. Voilà. Bien. Insolite. Ok. Oh, ça c'est intéressant. Magasin de bouffe, pourquoi c'est intéressant? Parce que si je fais... si je fais une tarte à la crème, d'accord? Où est le mixeur? Où est le mixeur? Je vais faire une tarte à la crème. Bah attends. Déjà, je m'en fous. C'est un régal. Ok. C'est quoi que j'ai mis là? Merde alors. Ok. Bon bah écoutez, on va garder cette petite baguette de pain. Elle est pas si négative. Allez, petit raccourci, mon frère. On va où? Waouh, je dois aller si loin. Est-ce que je suis dans la bonne direction? Ouais. Ça m'en a tout l'air. Excusez-moi. Hop. Aïe! Quoi? Il y a quelqu'un qui tire. Il y a quelqu'un qui tire. Oh, 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 oh. Attendez, je suis obligé. Je suis obligé. Parfait. Voilà. Ça, c'est bien, c'est les copains. Qu'est-ce qu'on va faire? Je suis censé aller où, là? Je suis censé aller là. Ok, on est d'accord. Non, mais dis-moi pas qu'il faut que je passe dehors. L'angoisse. Oh, attends. Parfait. C'est... voilà. C'est la police. Oh! Oh! Je rigole. Ok. Là, par contre, je vous... Quoi? Jeff Mayer est mort? Je sais pas qui c'est, mais putain, je l'aimais bien, les gars. Merde, alors. On va passer par là-haut. Dégage. Dégagez vos mères. Dégagez vos mères. Ah, oh, cascade. Ok. Bon. Non, 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 non. Comment faire? Comment faire? C'est pas bon. Attends, on peut pas déjà être bloqué. Je suis beaucoup trop jeune et trop beau. Allez à full court pour aider Brad. Ah non, pas là. Pas le zizi. On a eu chaud. On a encore eu de la chance. Putain. Chut. Dégage. Je vois pas là, je vous jure, je vois pas, c'est déjà... Ok, par là. Ok. Mais non, mais c'est terrifiant, c'est de l'autre côté. Un, je l'ai. On va aller dehors. Ok. Ok, ok. Ok. Je sors le brolic. Franck, t'es là? C'est moi, Otis le gardien. T'es journaliste, c'est ça? J'ai gardé un œil sur les écrans de surveillance et j'ai quelques infos qui pourraient t'intéresser. Ouais. Il y a un jeune qui se balade dans Paradise Plaza. Paradise Plaza. Il a un appareil photo comme toi. Ok. Lui aussi doit être photographe. Faire des photos dans un moment pareil. Vous êtes cinglé? Ok. En faisant avancer les dossiers, en obtenant des informations auprès d'Otis et d'autres survivants, des nouveaux objectifs apparaîtront dans votre liste de scoops potentiels. Et vous pouvez, si vous parvenez à remplir ces objectifs dans le temps imparti, vous obtenez des PP bonus. Ah, il reste plus de 6 heures, il reste moins de 6 heures, il reste moins de 3 heures et aucune limite de temps. Ok. Donc, par conséquent... c'est quoi fait? Ok, ok, ok. Eh ben, merde alors. Là, on est fort embêté. Où est le 1? Oh, j'y étais. J'ai le temps, hein. J'ai le temps de faire demi-tour, hein. On fait demi-tour. J'y étais, les gars. On fait demi-tour. On va étudier ce truc. Et après, on ira aider Brad. Fait du même bois. J'ai aucune idée de ce qui va nous attendre. C'est ça qui était trop cool aussi, c'est qu'on va juste avoir une petite phrase d'accroche. Et après, on va découvrir ce qui nous attend, tout simplement. Arriver sur les lieux. Par contre... Oh, waouh. Pas être évident, hein. Ça va vraiment pas être évident.
Les amis, je préfère vous prévenir, le jeu est dur. Encore une fois, comme je vous disais dans l'épisode 1, il a été conçu comme un survival horror. Ça veut dire que, en gros, il est toujours conseillé de quitter le jeu et de le refaire quand vous mourrez, avec une petite avancée, justement, statistiquement parlant. Ok, je peux monter par là, donc ça va, je suis un peu rassuré. Let's go. Let's go, let's go, on va voir ce que c'est. J'adore cette musique. Ok. Ok. Ah, il a vraiment une tête de fils de pute, je suis désolé. C'est un jeu interdit au moins de 18. T'es dans mon champ. Tu vois pas que je suis en train de bosser? J'essaie de prendre des photos, là. Mais je vois que toi aussi, t'as un bel appareil. Mais t'y connais rien en photographie, je me trompe. Bien. Okay. Désolé, il se trouve que moi aussi, je suis un pro. Peut-être pas aussi bon que toi, mais bon. Alors comme ça, tu te considères comme un pro? Je vois, ils disent tout ça. Dis-moi, est-ce que tu réalises ce que sous-entend le mot professionnel? Je veux dire, si t'as pas de talent, tu peux pas employer ce mot comme ça. Je m'appelle Frank West. Désolé d'avoir gâché ta photo. Je vais pas t'embêter plus longtemps. Ok, ok. Attends une seconde, l'ami. Tu sais quoi? Je vais te rendre service. Je vais regarder ce que tu fais et te donner quelques tuyaux. Allez, sois pas timide, Franky. Je vais même te servir de modèle. Montre-moi ce que tu sais faire et je te dirai ce que ça vaut. C'est pas une bonne idée, ça? Parfois, je me dis que je suis vraiment un génie. Je vais pas me taper. Allez, on y va. Prendre des photos. Sur une photo, plus un marqueur de cible est grand et plus vous recevez de PP. Si vous parvenez à prendre une photo d'un zombie ou d'un survivant en train d'attaquer, de subir des dégâts ou une situation inhabituelle, le marqueur de cible changera de couleur et vous obtiendrez plus de PP, vous l'aurez compris. Eh ben... On est bon. Alors, il me semble, je n'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais à l'époque, dans le premier Dead Rising, on pouvait faire des photos sexy. Slash, voilà... Et ça, je crois qu'ils l'ont retiré. Donc, première censure, okay. Me semble-t-il. Pour commencer, je veux que tu prennes une photo de moi en train de montrer mes talents de photographe. Mais il va falloir que tu t'appliques, Franky. Ma photo devra valoir au moins 500 points. Parfait. Ok. Bravo! Bon boulot! J'ai l'air canon sur cette photo. J'ai tellement l'impression qu'on perd du temps avec lui. Et maintenant, je vais t'éblouir avec ma pose de victoire iconique. Essaye d'obtenir 700 points avec ma photo. Ok. Et si on changeait un peu de décor? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, frérot? Parfait. Ok. Il va falloir faire mieux que ça, l'ancien. Coup de pied sauté! Oh, j'allais le faire! Oh, j'allais le faire! Hey, tu crois que je prends cette pause pour m'amuser? Il faut que tu saisisses le moment, Franky. Parfait. Ouais, c'est ça. Accroche-toi, l'ancien. On fait quoi, là? Dégage. Là, je me le tape, là? Oh non, je vais me le taper. Je me le tape. Souris. Hey! Où est-ce que tu vas? On n'a pas le temps. Parfait. Oh! Oh, tout est incroyable sur la photo! Mais quel tocard! Magnifique! Ok. Je vous jure que... Je fais quoi avec lui, les gars? Je fais quoi avec lui? Brad est en danger. Ben oui, mais je fais quoi avec lui? Il fait que me prendre une photo. Je fais quoi? Je me barre. Je vais me mouiller, moi, tout seul. Je vous promets, je sais pas quoi faire avec lui. Je sais pas quoi faire. Est-ce qu'il me suit, là? J'ai trop de questions. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. On peut vaguer à nos occupations. Ça n'apparaît plus. Une batte de baseball. Ça, je prends ça. Ça, je prends chacal. Oh putain, on peut faire un home run. Regarde.
Allez. Wesh, il est énorme. Parfait. Il a une arme. C'est lui qui tirait. Ok. Ok, ok, on va pas trop faire les fous. Putain, il y a des flics qui ont des guns. Bah, logique, vous allez me dire, mais enfin quand même. C'est assez surprenant. Il a réussi à me viser à travers la... Non, mais ça, c'est une dinguerie. Non, mais attendez, je suis fou, mais en début d'épisode, on est d'accord qu'il m'a visé à travers une fenêtre, le gars. Le flic, il était déterminé. Je crois que je lui devais de l'argent, hein. Bien. Violent, violent. Une main coupée. Je peux faire quoi? Je peux la mettre dans leur bouche? Je sais pas saisi l'opportunité de la main coupée encore pour l'instant. Ok. Renfort pour Brad. Oh là 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 là. Oh no. Oh no, c'est bouché. Allez, venez par là. Oh non. Ah, je rigole. Aïe. Oh non. C'est un aller simple pour l'enfer. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va se passer? Cracheur de feu. Je l'ai pas. Je l'ai pas. On se barre. Je reconnais, c'est une pédonnante, ça. Quoi? Mais comment quoi? Il était gentil, mais... Quoi? Votre copine m'a envoyé vous aider. Qui? Jesse? Mais merde! Ok, on parlera de tout ça plus tard. Vous savez vous servir de cette arme? Bah, j'ai jamais tiré sur quelqu'un. Très bien, je vais vous couvrir d'ici. Faites en sorte de rester planqué. Essayez de vous approcher de la cible, ok? Et qu'est-ce que je fais quand il sera à ma portée? Ben, je pense que le mieux, ce serait de lui tirer dessus. Mais si vous pouvez pas... Essayez au moins de l'occuper en le forçant à éviter vos balles. Vous y arriverez? Ouais, mon truc à moi, c'est de prendre des photos. Mais, je vais essayer. Ok. La prochaine fois qu'il recharge, je balance un tir de couverture. Je compte sur vous, d'accord? Courez jusque là-bas. Ok. Un. Deux. Trois. Ok. Oh! Ok. Je vous couvre. Attendez une ouverture. J'ai des grenades, Zombie! Ok. Vous pouvez monter sur certains éléments en hauteur. Je vais pas lui mettre des coups de cactus, frère. Ah. 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 J'ai une main. Aïe. Ok. Ok. Bien joué, le tournoi. Ok, j'ai trouvé un livre par terre, j'ai envie de le ramasser. Bon, c'est le premier psychopathe, vous l'aurez compris. Bien. Oh, je suis dans la merde. Oh, oh, il fait du kung fu. Je rigole. Ah, je m'en sors. Je m'en sors et je sais pas pourquoi je veux recharger avec l'arme. J'y retourne. J'y retourne, mon frère, il me reste 9 balles, j'y retourne. Allez-y. Ne laissez pas filer! Qu'est-ce que c'est que ça? Merde alors! Hop! Oh putain, il est où? Fais pas le con, mec! Quoi? Il est où? Il est là, je l'ai. Waouh!
Il est si haut. Ok. Allez, fais pas le con, Carlito. Allez, allez. Aïe. Essayez de manger un truc. Ok, c'est bon. On a eu tellement chaud. Il s'est barré. C'était qui, ce cinglé ? J'en sais rien. Bon. Merci pour votre aide. Je m'appelle Brad. Je suis Frank West, photojournaliste. Enchanté, mais je crois que vous me devez quelques explications, Brad. Désolé. J'ai absolument rien à vous dire. Écoutez. J'ignore ce que Jesse vous a dit. Mais en ce qui me concerne, notre collaboration s'arrête là. Alors faites votre petit reportage et laissez-nous bosser, d'accord ? Vous... vous êtes à la recherche de quelqu'un ? Je me trompe ? Attendez. Vous avez pris ça ? Aidez-moi, et je vous aiderai. Merde. Vous êtes un sacré journaliste, pas vrai, Frank ? Un sale fouineur, opportuniste, qui se prend pour un héros. Mais qui n'a rien de mieux à faire qu'aller fourrer son nez dans les affaires des autres. Peut-être bien. Ça vous dérange ? D'accord, Frank. On va faire équipe. Jesse et moi sommes agents du DHS. Et oui, nous recherchons l'homme sur cette photo. Vous êtes de la sécurité intérieure ? Me dites pas que ce type est un terroriste ! J'ai pris cette photo au niveau d'Entrance Plaza, près de l'entrée principale. Vers Entrance Plaza, vous êtes sûr ? Hé ! Donc j'ai la permission de couvrir cette histoire ? Ou pas ? Ok, dossier 1 sur 2, vous l'aurez compris. Et il y a 8 dossiers et il y a les faits. Tout ceci est fort embêtant. Oh, j'ai gagné pas mal de vie par contre. Oh, ça, quel bonheur. Ok, les gars, j'ai une baguette. C'est bon les baguettes, on aime les baguettes. J'ai une caisse enregistreuse, on va la laisser là. Le cracheur de feu, je l'ai toujours pas, je la comprends pas les frères. Qu'est-ce qu'on a là ? Interagir ? Boisson recommandée, nectar. Oh ! Attendez, si on met une baguette là-dedans, et une bâton glacé, ça fait du pain glacé, non ? Waouh ! Il me l'a acheté de l'autre côté du comptoir. Ok ! Un nectar ! Pas encore à quoi ça sert. On verra un petit peu plus tard. J'ai plus qu'une balle. Hop. Oh, waouh. Ça, je l'ai pas, ça. Hein. C'est quoi ? Augmente la puissance des armes à feu. Ok. Mais attaque plus, c'est fini, là. Il faut que je le garde dans l'inventaire. Dites-moi en commentaire comment ça fonctionne. Est-ce que je dois le garder dans l'inventaire ou pas ? Everyone loves book. Donc, tout le monde aime les livres. Brad veut discuter avec un vieillard réfugié dans une librairie. Je vais le suivre pour en savoir plus. Évidemment qu'on va le suivre. Parce que je crois qu'il y a un zombie dans mon cul. Ok. Mais oui. Fou lui. Ok. Ok, 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 ok. Bah Brad est juste ici, à la limite. Vas-y, j'arrive mon poteau. T'as une sacrée posture, donc j'aime bien, j'apprécie. Allez, vas-y, let's go.